parents étaient en télétravail et moi j'étais le seul de la famille qui continuait finalement à avoir une vie un peu normale. Je partais le matin au lycée et je rentrais le soir à la maison. La seule chose qui finalement a changé, c'était de voir tous mes camarades masqués, mais sinon ma vie a un peu continué comme elle était avant. Die ersten Wochen waren erstmal auch irgendwie, hat es mir nicht geschadet, noch mal mehr zu Hause zu sein und noch mal neue Energie zu sammeln. Und als dann klar wurde, okay, wir gehen in die Online-Lehre in der Uni, wir können nicht weggehen, das war ja so ein erster großer Rückschlag, der irgendwie auch sehr, sehr traurig war, aber womit man eigentlich schon gerechnet hat. Natürlich war es voll die Umstellung, dass man dann sich ein Stück weit einsamer gefühlt hat, aber um dem so ein bisschen aus dem Weg zu gehen, hat man dann einfach versucht, im Rahmen des Möglichen Freunde zu treffen, ein bisschen rauszugehen. So im Fernsehen sah man ja eben die Bilder, alle sind beim Hamstern von Lebensmitteln. Und bei mir hat es sich eher so ums Hamstern von Büchern in der Bibliothek gehandelt, weil die ja eben auch geschlossen hat oder im Schließen war. Und ich versucht habe, irgendwie noch abzuschätzen, welches Buch ich vielleicht brauchen könnte während meiner Abschlussarbeit. Quand on habite dans une nouvelle ville, dans une grande ville qui en plus culturellement parlant est très vivante et qu'on habite en plus dans un quartier qui est censé être très vivant, c'est pas facile tous les jours de se dire que ça pourrait être différent, que ça pourrait être mieux. Avant Covid justement je voyageais souvent, j'avais la chance justement de voyager dans l'Union Européenne ou même hors UE. Et moi qui ai emménagé à Hambourg, qui suis proche de ma famille, qui aime souvent voir ma famille, je ne pouvais plus justement partir à Marseille pour les voir. C'était assez compliqué de se déplacer. J'avais moins la possibilité de rencontrer d'autres personnes. J'ai la chance moi-même d'être franco-allemande, de vivre en Alsace. Et donc la culture germanique, je la connais. Je découvre quand même au moins la culture du travail allemande, parce que je n'avais jamais ni étudié ni travaillé en Allemagne. Et je parle en allemand tous les jours, je suis avec mes collègues régulièrement en contact. Donc il y a quand même ce petit côté, plongé dans la culture allemande, même si c'est en distanciel. Alors rien ne remplace une expérience en réel.